Et salut à tous, c'est les vaches du 22, donc je vous fais une toute petite vidéo. Donc vidéo information et en même temps une micro nouvelle de l'élevage, même si on aura une plus grosse demain. Donc voilà, il y a des poules là. Donc manoir de janvier, une barbarie. Donc je vais vous montrer des nids. J'avais déjà montré un des nids dans une vidéo. Et là je vais montrer celui que je viens de refaire. Donc lui c'est celui que j'avais déjà montré, j'ai laissé un œuf dedans, il y en avait 10 ce matin. Donc j'en ai pris 2. Donc attendez, je fais gaffe parce que c'est pas là. Voilà. Donc il y aura 3 grosses vidéos, 4 même demain, sur l'élevage. Donc une sur les lapins, une sur les chèvres et 2 sur les poules. Donc elles vont être importantes. Donc pour tous ceux qui sont abonnés, n'oubliez pas que demain il y aura 4 vidéos. Donc elles sortiront toute l'après-midi, je pense. Entre 4 et 8 heures. Entre 4 et 20 heures du soir. Donc voilà. Donc il y a la petite poule de Gripal qui est séparée. Vous verrez pourquoi demain. Je suis vraiment content. Donc 4 grosses nouvelles qui vont vachement changer l'élevage. Donc pour moi c'est super cool. Pour vous aussi je pense. Donc maintenant j'ai vu ça aussi, on est 215 sur la chaîne. Donc peut-être que quand je vais publier la vidéo on sera un peu plus. Mais ça augmente vachement vite, donc je vous remercie tous. Je pensais pas que ça irait aussi vite. J'aime vraiment certains commentaires et ils sont super sympas. Même tous les commentaires sont sympas. Depuis le début, j'en ai eu un seul négatif, mais je l'ai pris bien quand même. Donc voilà. Petite vidéo en 3 minutes. Donc aussi, je vais essayer de faire des vidéos de meilleure qualité. Donc vous me direz si celle-ci elle a une meilleure qualité que les autres ou pas. C'est une vidéo un peu test et information. Donc voilà, il y a les chefs qui bêlent, c'est normal. Hein. C'est Poppy, je vous montrerai ça demain. Ne vous inquiétez pas, c'est que des bonnes nouvelles. Il n'y a aucune mauvaise nouvelle dans l'élevage. J'ai enlevé un coq de ma volière, celui qui était noir. Donc si vous remontez un peu dans les archives de la chaîne, je disais qu'il était beau, que j'allais peut-être le garder, mais que c'était pas sûr. Bah du coup, voilà, je ne vais pas le garder. Il est trop méchant avec les poules. Ma petite Triskel, elle a du sang... sur les plumes, donc je ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient sûrement de lui, donc je l'ai enlevé déjà hier soir. Mes coqs, ils ne pouvaient pas sauter les poules à part Caramel, donc voilà, donc je l'ai enlevé. Donc attendez, je regarde juste si elles sont pas là. Oula. Donc je vais vous montrer quelque chose quand même hein. Donc n'adoptez pas de barbu d'envers si vous avez pas de volière, parce que voilà, madame est littéralement sur la mangeoire de la tourterelle, qui est à quand même 1,50 m du sol. Elle a pas les ailes longues, pourtant elle a des ailes assez courtes pour une barbue d'envers. Voilà, normalement ça doit faire ça doit descendre presque jusqu'au talon de la poule, les ailes. Donc ça c'est une caractéristique de la barbue d'envers. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là. Donc n'oubliez pas pour tout le monde qu'il y a 4 grosses vidéos demain qui sortent, mais elles sont vraiment importantes pour la chaîne. Donc ça va être super pour 2023, donc les reproductions 2023 et les vidéos de 2023, ça sera super. Donc voilà, et je vais vous dire à la prochaine.